parler devant la caméra des combinaisons. Alors, capitaine, comment il va nos capitaines? Ça va, nickel. Prêt pour le combat? Qu'est-ce qu'on va dire aux hommes? Il va falloir être prêt aujourd'hui, ça va être un gros match et on va bien travailler pour là. On va faire un gros échauffement, on va faire un gros match et on espère la victoire. Et le co-capitaine, est-ce qu'il est d'accord? Ah, tout à fait. Tout à fait? Ah oui, il faut être bien, bien motivé, bien en forme, et bien mettre notre jeu en place. Parfait. On va voir ça sur le terrain et on vous dit grandez, grandez, grandez le 15 de Besagne. Ça devrait être un bon arbitre, ok. Il ne faut pas écouter ce que certains disent. Moi, il a fait des bons matchs jusqu'à présent. Il peut faire des erreurs, même s'il fait des erreurs, c'est pas grave, ok, on laisse. On sait qu'il y en aura de toutes les façons. Allez, tous ensemble. Gagner et de faire mal à l'adversaire.
on souffre. Hein. C'est les matchs comme ça qui est mieux. On va jouer libéré, on va jouer agressif parce qu'on n'a rien à perdre. Hein. L'équipe à 18, c'est là où j'ai vu les meilleurs. À droite, gauche. Pas réfléchir, évitez vos cerveaux, les gars. Éteignez cette putain de lumière là. Éteignez là, c'est le cerveau. On réfléchit pas, on y va. Il y a juste à faire le job, c'est nous qui sur la tête, faire le job. Défenseur, je plaque, je suis attaquant, je fais jouer mes copains, je protège le porteur du ballon, juste faire le job. Allez. Ouais, t'en dis une minute. Hein? Mais oui, c'est bon, on va. Attends, faire les combis. Il est 14h50. Allez, les gars, c'est bon. Allez, les gars. Allez, on y va. Serré, bon échauffement. Serré. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Pas tapé une depuis 6 mois. Ouais, il y a qu'à s'entraîner. Bon. Hein. Allez, on se sert, on se sert, allez, venez. Allez, serrez-vous, serrez-vous. Les gars. Serrez-vous. Voilà, ça allez, venez, serrez-vous. On s'en bat les couilles, on va voir les couilles. Sporting sur folie à besoin.
Les gars, là, allez. On est vraiment une équipe de bras cassés là. Arrête. Les gars, on a gagné le match, mais vous nous avez cassé en deux. Voilà. Alors le président, un petit mot suite à cette victoire, que pense le président heureux du CAS de Besagne? Le président, il est plus qu'heureux. Une victoire un petit peu dans la douleur au début du match. Des décisions qui m'ont un peu surprise en début de match, mais moins cohérentes. Mais on a réussi à se reprendre, à rester dans le match et puis à gagner ce match avec le bonus. Donc on est content, c'est l'essentiel, on est toujours premier. La semaine prochaine, c'est le derby contre Saint-Jean. C'est nos amis, Saint-Jean, l'entente Saint-Jean, c'est moi qui l'ai monté avec Christophe Fébraillot. Donc on se connaît tous, moi j'étais chez eux, maintenant Besagne. Donc avec plaisir de faire ce derby et super content de les rencontrer. Et ce qu'on espère, c'est que les deux premiers qui sortiront, ce sera Besagne et l'entente. Écoute, un président heureux. Et merci à toi. Du CAS de Besagne. Vive Besagne, vive Toulon. Et vive le rugby. Vive le rugby. Boto, un manager heureux, une victoire bonifiée face à Saint-Maximin. On tombe dans le piège tendu par l'adversaire, on répond aux provocations, on prend des cartons, on prend 3 points sur des pénalités qui ne doivent pas exister et on se retrouve rapidement à 13, on prend un rouge et blanc. Oui, heureux, mais Régis, moi tu me connais, je me projette déjà sur la finale et des choses comme ça, je n'en veux pas. Oui, heureux, content des gars, ils bossent aux entraînements, ils progressent, on est premier, on a le bonus offensif et je me projette déjà sur le derby contre nos amis de l'entente Saint-Jean-du-Barcorse. Donc Gilles, dont Gilles a été président et moi j'ai été entraîneur des deux clubs. C'est nos amis, mais ce sera un match, un vrai match. C'est qu'on va se régaler. Je suis déjà à ce match-là. Voilà. Donc, pour revenir aujourd'hui, il faut gommer les fautes parce qu'avec l'ambition qu'on a d'aller loin, de monter, de gagner une finale, de faire beaucoup de tours en championnat de France, il faut vraiment limiter les fautes. Et là-dessus, aujourd'hui, on en a trop fait. Donc la discipline, ça sera le maître mot cette semaine. La discipline, c'est le maître mot. C'est le maître mot parce qu'une fois qu'on a été discipliné, on s'est mis à jouer. Et quand on s'est mis à jouer, on a marqué des essais. Et le rugby, c'est ça. Donc on donne rendez-vous au Toulonnais dimanche prochain, 15h, pour ce derby magnifique au stade Léo-Lagrange. Voilà, stade Léo-Lagrange, le derby avec nos amis, nos frères, on partage le terrain, on a des connaissances des deux côtés, ça va être un beau match et le coup d'envoi sera donné par le grand Jérôme Gagnon. Écoute, magnifique, que dire de plus, président? Rien de plus, il a tout dit. Il a tout dit, vive le CAS de Besagne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le derby. Voilà, les derniers mots. Les derniers mots, Régis, je te remercie beaucoup de ce que tu fais pour nous. Tu sais que tu nous as porté chance il y a 10 ans, on a remporté de bouclier et on souhaite que ça continue comme ça et qu'on réécrit l'histoire. Mais là, on écrit pas l'histoire du RC Corse, on a écrit de Métal, c'est l'histoire du CAS de Besagne. Merci beaucoup Didier, merci au CAS de Besagne. Merci à toi, voilà, merci.